Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous filmer mes favoris du mois de juillet. Je vais commencer tout de suite par le un gloss, dans le fond, le rouge à lèvres que j'ai porté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle le gloss, comme ça ici, de L'Oréal Paris. C'est Color Rich. Ouais, c'est Baby Blossom. Numéro 151, le gloss, et c'est lui que je célèbre. Oh. Je trouvais qu'il fait naturel, puis pour l'été, ça c'est parfait. Après ça, mascara que j'ai porté pas mal tout l'été, c'est de CoverGirl, le Lash Blash Clean, je sais pas trop là. C'est aqua résistant, c'est hydrofuge en fait. Il donne du volume. Ouais, c'est lui que j'ai utilisé, que j'aime. Beaucoup, 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 beaucoup. Après ça, pour un peu de bronzant, j'ai utilisé de tout l'été. J'ai utilisé de Revlon. Ma peau de bronzant comme ça. Wow! C'est un terre de soleil. Ça. Après, une découverte que j'ai faite et que j'ai utilisée. Toutes là, que j'adore, 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 j'avais entendu, pardon, alors j'avais entendu parler sur YouTube et je l'adore. C'est la Dream Matte Powder de Maybelline de New York et c'est juste trop bon. Oups, ça fait comme ça. C'est comme, moi je prends médium, ouais, c'est écrit médium 01, ok. C'est un effet matifiant parfait et doux comme l'air. Sans huile, ne bouge pas les pores. Testé sous contrôle dermatologique. En fait, c'est juste pour que le maquillage soit en place. Mon cas, c'est un des meilleurs que j'ai jamais vu. Pour les blushs, j'ai la gamme. Avant, quand je les avais achetés, je les aimais pas vraiment. C'était comme trop pigmenté. Puis en hiver, c'était. Je sais pas être de couleur, mais depuis que j'ai vu en été, là, c'est le merveilleux du monde, là. J'utiliserai tout ça toute ma vie, à part un hiver. C'est de Revlon Photo Ready. Ça, c'est récif de corail, numéro 300. Vous voyez, là, ils sont comme full pigmentés. Ça, c'est joue pincée, numéro 100. Et ça, c'est rougissant, numéro 200. Fait, je vais pas vous faire un swatch, mais c'est tellement, là... Tu sais, il faut en mettre beaucoup pour que ça soit pigmenté tant que ça, là. Regardez. Ça, c'est lui, là, puis j'en ai mis quand même beaucoup, là. Puis, c'est ça. Mais en hiver, je sais pas, on dirait que le teint ne fit pas pour ça. C'est trop coloré pour l'hiver. Ça marche pas. L'autre, en bas, c'est lui. Et l'autre est un peu plus crème. Faut vraiment là, en mettre en Dieu pour que ça soit. Ouais. En tout cas. Puis en hiver, je n'irai vraiment pas dans ça. Mais je me suis mis à les utiliser en été. Puis je les adore, je ne changerai aucun blush. Je vais continuer à mettre ceux-là, je les aime trop. Après ça, j'ai la base de maquillage de Maybelline de New York. Celle-ci. Avant, j'utilisais jamais de base, puis j'utilisais pas de crème. Tu sais, je mettais vraiment tout de suite mon fond de teint pour ça, puis c'était tellement pas beau. Ben, tu sais, ça donne pas une finition voulue comme. Fait que depuis que je mets sa base là, Maybelline de New York, fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller dans la même marque. Fait que j'utilise la Baby Cream, et qui est aussi Maybelline de New York. Et ces deux ensemble, je vous jure, c'est les meilleurs. Oups, ça. Ben. Que ça donne vraiment un effet que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une affaire que j'ai découvert, que j'adore, là, ça fait tellement une grande différence dans le visage, c'est une crème comme ça. C'est de La Roche-Posay, Tolerian Ultra Intense, Soin Apaisant Intense. Dans le fond, c'est juste que moi, j'avais essayé, ça vient comme dans un pot. Vichy, je voulais une crème de jour en fait. Puis Vichy, c'est juste que c'était trop
Parce que moi, dans le fond, il parle de. Tu sais, il nous faut beaucoup d'eau, une crème en eau, là, en fait. Et la Vichy était comme trop. Trop parfumée. Je cherche le mot. Et ça fait juste me plaquer, ça faisait. Ça brûlait, en tout cas. Eux qui vont comprendre, là. C'est ça. Fait que. Anne, j'ai été voir l'esthéticienne et. Ben, l'esthéticienne dans les pharmacies. Et elle m'a recommandé celui-là, et depuis que je l'utilise à tous les matins, je mets une base. Je m'avais mis à mettre ça, une base et le fond de teint. Et c'est le jour et la nuit. J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer, là. C'est tellement, tellement, tellement bon, là. Et c'est ça. Et un affaire que j'ai découvert, que je voulais vous parler, j'étais vraiment contente de le découvrir. Je voulais, j'entendais beaucoup, beaucoup parler des pin pots de chez Elf et de... d'autres marques, sauf que où ce que j'habite, il y en a pas, ça existe pas. J'ai été chez Jean Coutu et je savais même pas c'est quoi, ça existait pas. Fait que j'ai été chez Brunet, là le mot pinpot ça fait pas grand chose, fait que là moi je savais pas d'autre comment l'expliquer. Et je dis une base d'ombre à paupières et elle me sort ces tubes là de CoverGirl. C'est un après affaire à paupières riche, ok, ça fait comme les pinpot. J'ai jamais vu des bonnes affaires de main. Ça vient. C'est comme ça, là. De CoverGirl. Puis, j'ai pris des couleurs, là. Là, je vais faire des swatchs. Mais les couleurs, là, on dirait qu'elles sont full, full concentrées. Mais quand on les met, là, c'est juste parfait. Ouais. Là, là, je les applique. Puis, ça. Tu sais, on sentait qu'il faut les. Les tapoter, là. L'étendre sur la peau. Voyons, je touche mes mots aujourd'hui. Ouais. Fait que là, vous allez voir, c'est tellement pigmenté comme ça, là. Oups. Ça va me demander. Voyons. J'ai de la misère. Ouais. En tout cas, vous voyez pas grand-chose, là, mais... C'est, vous voyez le bleu là, quand on l'étend là, ça tient là, j'ai jamais vu une affaire qui tient de même là. Puis ça donne juste parfait, juste que ce que je cherchais, c'est brillant, c'est pas trop, tu sais, c'est pas osé trop présent et tout. Alors c'est ça, je voulais vous les montrer. Alors moi j'avais ces trois couleurs là, beige, rose et bleu, mais il y en a d'autres un peu plus foncés, mais c'est juste pour mettre de quoi ses yeux. Alors, c'est ça que je voulais vous faire part. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et laissez-moi vos commentaires en bas si vous avez des commentaires à laisser sur les produits. Alors, bye bye!